Salut à toi, je suis extrêmement contente de te retrouver pour un nouvel épisode sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Clélia, je suis monitrice fédérale de survie et secouriste en milieu isolé. Et bienvenue sur ma chaîne. Tu as pu le constater, aujourd'hui on va parler hache, parce que j'adore les haches, et je vais te montrer quelques techniques pour fondre du bois, mais cette fois-ci à la hache. Déjà, on va parler de la marque et des modèles de haches que moi j'utilise, et c'est pas un placement de produit. J'ai choisi la marque Husqvarna. Là, on a le modèle Camping, mais j'ai aussi le modèle Carpenter, Forestier et le Merlin. Ce sont des haches qui sont forgées à la main. Le bois, c'est de l'hickorie, donc c'est hyper résistant et hyper souple. Elles sont fabriquées dans la même usine que Ultaforce, sauf qu'elles sont moins chères. Tu comprendras que chaque modèle a une utilisation particulière. Le Merlin, il me sert à fendre des grosses bûches, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. La Forestière, elle sert principalement à l'abattage des arbres, mais tu comprendras bien que je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Par contre, je ferai une vidéo dédiée à cette utilisation. Je vais principalement axer la vidéo sur l'utilisation de la charpentière et de la camping. Comme tu as pu le remarquer, le bois que j'ai ramassé ne nécessite pas une hache plus grande. Le principe de refendre du bois, c'est principalement de récupérer le bois sec qui est à cœur. Et dans un second temps, c'est d'augmenter le coefficient de pyrolyse. Bah oui, comme ça il brûle mieux. On se met en sécu, les gants, 4 appuis au sol et une souche qui va accueillir la lame sans l'abîmer. C'est évident, tu n'utilises pas un caillou. T'as deux méthodes pour fendre du bois à la hache. La première méthode, la voici. Tu prends ta hachette, tu viens positionner ta hachette sur ton bout de bois, de telle sorte à commencer par rentrer un coin de la hache, et une fois que c'est fait, tu viens frapper les deux en même temps, pas besoin de mettre trop de force, le but c'est juste de la faire rentrer un petit peu, tout en visant l'extrême opposé du point de contact. Tant que je suis encore en train de fendre du bois avec la première méthode, je t'invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Le modèle camping, il est particulièrement redoutable. Cette hachette fait environ 800 grammes, elle a une émouture convexe et surtout, elle est particulièrement bien affûtée. Et c'est ça qui compte. La deuxième méthode, c'est la méthode de bâtonnage. Et oui, on peut aussi faire du bâtonnage avec une hachette. Je vous vois déjà dans mes commentaires. Vous pouvez prendre le bois à bâtonner debout ou couché, comme vous voulez, ça marche avec les deux méthodes. Vous prenez un marteau. Moi, personnellement, je préfère largement la première méthode avec la hachette. En tout cas, pour de la petite section, c'est bigrement plus efficace. Mais bon, les deux fonctionnent. Pour la charpentier, comme elle est plus lourde et plus longue, on va l'utiliser surtout pour de la section plus grande, mais c'est les mêmes techniques. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je vais continuer à couper un petit peu de bois et je serai ravie de te retrouver la semaine prochaine.